Bonjour et bienvenue à tous dans nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis le début de la pandémie en France, l'exécutif tente bien que mal de gérer et d'atténuer les effets d'une forte épidémie sans précédent, critiquée par certains pour son laxisme dans la crise sanitaire, puis sa sévérité par d'autres. Le gouvernement français peine à faire entendre raison à une large frange de la population particulièrement vulnérable. Cependant que les chiffres de l'épidémie fournis par les autorités sanitaires augmentent dans l'Hexagone et d'une deuxième vague d'infection par le Covid-19 s'est installée. On accuse aujourd'hui le manque total de sérieux de la part des jeunes adultes, une jeunesse de plus en plus nombreuse qui va payer d'ailleurs un très lourd tribut durant cette période de l'épidémie de nouveau coronavirus. Et pour s'adresser un message clair à cette génération, le président de la République a décidé de faire appel le plus jeune membre du gouvernement sous la 5e République, Gabriel Attal. Le chef d'État Emmanuel Macron a ainsi demandé au successeur de Sébastien Ndiaye se saisir de ses feuilletons lors du Conseil de défense. Il y a quelques semaines, il faut parler davantage aux jeunes, a confié le président de la République. Le porte-parole du gouvernement est fier de continuer à jouer un rôle important dans cette mission pleine d'espoir, qui relève pourtant en partie de la prérogative de Jean-Michel Blanquer et particulièrement de Sarah El Yaïri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Et le plus jeune ministre de la 5e République semble avoir dépassé toutes les espérances de réussite, comme le révèle nos confrères de magazine Le Point. Gabriel Attal, c'est une machine de guerre. Et quelques jours, il est capable de dérouler un plan comme affaire parler n'importe quel poids lors de la politique, déclare un membre de gouvernement au journal. Déjeuner avec des étudiants à Rennes, plateau de télévision, ses interventions sur des plateformes de partage. Le porte-parole de l'exécutif a fait des réseaux sociaux le meilleur moyen de faire passer son message. Avec les médias classiques, on ne touche pas les jeunes, il faut être présent là où ils s'informent, confie son premier cercle. Une formule qui marche et qui a garanti la réussite de Gabriel Attal. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.